Coucou, bonjour. J'ai très mal dormi aujourd'hui. J'ai très 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 mal dormi parce que ça. J'ai mangé hier, je mange pas souvent le soir. Enfin, je mange des trucs un peu légers. Et hier, j'ai mangé parce que mes bailleurs m'ont invité, je suis allée manger des petites choses, des petites verrines. Mais j'ai très mal dormi. Très, très, très mal. Moi, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu très, 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 très mal au ventre. Enfin, l'estomac, le ventre et tout. J'avais très, très, très mal. Donc là, je pars. Je suis très en retard. Je devais être debout vers 6h. Enfin, aller au restaurant vers 6h30. Là, j'y arrivais pas. Ah, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est. Hein. Ça, c'est la pâte dentifrice. C'est un peu compliqué. Là. Avec tout ça. C'est aussi les cheveux naturels. Donc, il faut aussi s'en occuper. Bon, je vais aller vite prendre ma douche. Je vais aller travailler. Enfin, faire semblant de travailler parce que quand on travaille pour gagner de l'argent, moi je travaille pour épuiser mon corps. Quelle tristesse. Allez, je vais aller prendre ma douche, mais là vous n'allez pas m'accompagner. Hein. Bon, on va se dire qu'à tout à l'heure. Maintenant, on va un peu essayer de se dépêcher. Hein. Essayer un peu de faire semblant de se coiffer, même si on ne voit rien. Si on vous dit les cheveux naturels, c'est du boulot. Hein. Du boulot, du travail. Il faut s'en occuper. Voilà, on va se mettre un peu de joie dans le cœur. Pas rester dans la tristesse. Hein? Je te remercie, ma fille Luciana. Je sais que tu es avec moi. Je fais tout ceci pour être un peu accompagnée. C'est mon meilleur. Après mon Dieu là-haut, c'est ma caméra qui me fait du bien. Elle me fait du bien. Mon travail me faisait du bien. Aujourd'hui, je suis dans le chaos. Donc, on se donne le courage et on espère les jours meilleurs. Tu as quelqu'un, tu as dit à quelqu'un, dernièrement, tu expliques aux gens que vous êtes complètement à terre, que tes choses ne marchent pas. Alors, on s'est dit, comme tu es. Tu as un restaurant, tu es ci, tu es ça. Ben voilà, tu dois forcément avoir de l'argent dans un coffre-fort quelque part. Tu expliques aux gens que vous êtes dans la merde et que ça ne va pas. Alors tout ce que les gens trouvent, c'est quand même t'exposer les problèmes et tout. Pourtant, toi, tu es tellement dans les problèmes. On n'est pas en sortir, quoi. Donc, il faut se donner le courage, il faut se donner la force de continuer et d'aller de l'avant. Voilà. Moi, c'est le choix que j'ai fait, malgré tous les problèmes, et d'aller de l'avant. Maintenant, on va aller travailler. Voilà.
Des fois, les longs cheveux, les maquillages. Ah, le corona, il est venu enlever tout le maquillage des gens. Ah, maintenant, on voit les visages à découvert. On voit la beauté des gens, ceux qui sont moches et ceux qui sont laids. Ceux qui sont laids. Ceux qui sont moches et ceux qui sont jolis. Bon, alors, si on n'a pas honte de te mettre devant la caméra, sans tous ces artifices. Ouais, ok, Seigneur Jésus. Alors, toi, t'es sale, bien. Et maintenant, on doit partir. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, hop. On va se dépêcher. Quand on n'a personne avec qui parler, on invente des choses pour parler, hein? On fait tout pour ne pas devenir folle. Et voilà. Et c'est une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Je vous dis, hier, c'était terrible. Hier, c'était, mais vraiment terrible. Je n'ai eu personne. J'ai eu une seule personne. Une seule personne, vous vous rendez compte. Je travaille toute la journée et tu n'as qu'une seule personne qui vient te voir. Oh, ça sent pas bon, ça sent de la friture. Faut que je te change, toi. Ah, faut changer tous les jours, mais non. Là. Pas de changer tous les jours. Ah. Et ensuite, il y a des choses que j'ai peut-être oubliées là-haut. Mon torticolis. Ma minerve. Voilà. On va faire semblant d'aller bosser, non? Oh là là, mec. Voilà. Et la journée qui commence. Voilà. Bon, bah écoutez. Moi. C'est une souffrance, une torture. C'est une torture de mettre. Bon, bah écoutez, hein, on va aller travailler maintenant.